depuis la période des indépendances, la vision de développement de l'Union africaine, de l'Afrique en général, a été pensée par les pères de l'indépendance, Kwame Nkrumah, etc. Et jusqu'à présent, tous les plans de développement qui ont été initiés n'ont pas pu réussir ou n'ont pas pu atteindre les objectifs qui étaient attendus. Beaucoup de raisons peuvent être avancées pour expliquer cet état des faits. Le premier, c'est celui du financement du développement. Les Africains, malheureusement, n'ont pas encore trouvé un modèle de financement qui soit soutenable à la fois pour leur propre développement au niveau des pays, mais aussi au niveau continental. Le deuxième facteur bloquant, c'est celui de la collision, j'ai envie de dire, la collision entre les plans de développement africains et les plans de développement dits extérieurs. Parce que, par exemple, à la période où le NEPAD a été pensé, il y avait en même temps les ODD, ou les EMD, pardon, qui sont apparus. Et actuellement, l'agenda 2063 se retrouve concurrencé par les ODD. Et donc, ça crée un peu une sorte de dispersion dans les efforts. C'est vrai que la plupart du temps, nous avons des stratégies communes, des objectifs souvent communs, mais il vaut mieux mettre en avant le développement pensé par les Africains et pour les Africains. L'Afrique est actuellement le continent le plus jeune de la planète, parce que nous avons plus de la moitié de la population en Afrique qui a moins de 30 ans. Ça veut dire que le capital jeunesse est très important et il faut absolument tenir compte de cela. Et en plus, les jeunes Africains sont très dynamiques, actuellement très connectés, ce qui fait ils ont des meilleures potentialités que leurs aînés à l'époque des années 60, etc. Malheureusement, il existe un certain gap générationnel entre les jeunes Africains et les moins jeunes. Ce gap générationnel est dû à plusieurs facteurs. Et le rapport qui sera présenté dans deux jours, c'est-à-dire le 15 novembre 2019 à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, parle justement du rôle et de la contribution des jeunes à la paix et à la sécurité en Afrique. Parce que pendant longtemps, malheureusement, le discours dominant a été celui de dire que les jeunes sont des facteurs de violence. Les jeunes, en général, c'est des personnes qui ne sont jamais contentes, qui amènent des problèmes, qui amènent des conflits, etc. Et dont l'Union africaine a voulu montrer par ce rapport continental que non. Il y a certes moins de 10% des jeunes qui sont violents, mais la grande majorité des jeunes en Afrique sont des acteurs de paix et donc des acteurs de développement. Et donc le rapport qui sera présenté va justement montrer les expériences des pays, des régions en conflit ou moins en conflit, où les jeunes sont très très actifs pour construire la paix, pour bâtir leur pays, etc. L'Afrique malheureusement fait face à des longs cycles d'instabilité, de conflits qui sont difficilement résolvables. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'initiatives déjà faites par l'Union africaine permettent de penser, par exemple, la force commune africaine et le mécanisme de contrôle des pays pour voir comment est-ce que la stabilité évolue entre les pays et les autres. Pour ce qui est de la question de la jeunesse, actuellement, cette semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que l'Union africaine a appelé les ambassadeurs pour la paix. Ce sont des jeunes qui vont être choisis, un par sous-région, pour représenter leur pairs au niveau de l'Union africaine et assurer justement cette connexion entre les jeunes de leur pays ou de leur sous-région et le continent africain pour s'assurer que dans chaque plan de sécurité, de paix et de sécurité, soit inclus le volet jeune et que tous les jeunes puissent intervenir à chaque étape du processus de stabilisation ou de pacification du continent. Donc il y a comme ça plusieurs mécanismes qui peuvent être pensés. De la même manière, les organisations des jeunes qui ont déjà été identifiées, qui travaillent justement à la paix et la sécurité, vont être renforcées et accompagnées afin que les actions qu'ils mènent sur le terrain aient un peu plus d'impact, soient un peu plus visibles et puissent être accompagnées encore une fois de manière pérenne.